Je me présente Luciano Bronchapa. Don Luciano, mes respects. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour se lever un ton, une morue, une grue, un boucan, le dimanche après-midi, c'est l'ennui. Je sais pas si vous savez, mais ça s'est passé dans l'immeuble voisin, au même endroit où on a trouvé Van Gogh. Ah bah oui, c'est vrai, c'est notre rue, c'est dans le journal. Oui, ça n'arrête pas. Et toujours dans le quartier. Notre quartier. Mais vous êtes sur le coup, inspecteur ? Je suis déjà en pleine enquête. Ici ? Au service, messieurs. Heureusement qu'il y a l'inspecteur, hein, parce que si on n'a pas apprécié deux rats, eh bien, on a plus vite fait de mourir de soif. Hein. Allez. Hein. Lucien ! Il a voulu me tuer ! Il a voulu me crever. Il est fou. Tu avais raison. J'ai réfléchi, ça peut pas être lui. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est végétarien. Je suis vert. Dis donc, la vieille, prépare tes valises, tu pars en vacances. Mais qui parle? Approchez, inspecteur. Je vais vous farcir le nez. Couvre-lui la tête, putain. Attends, je vais te le calmer, lui, ça va être vite fait. Ça va, ça va, ça va, ça va, c'est bon, c'est bon. Alors, on se mutine. Bon Tchapa, bon Tchapa, bon Tchapa. À l'abordage. Couvre-lui la tête! Couvre-lui la tête! J'ai mal. Où qui sont les petits osios? Tenez bon, je vais serrer la vieille! Luciano! Lève à toi! Pourquoi? Jusqu'à la Jamaïque, pas un bête de chichon et pas le moindre stick qui ne passe par ses couilles. Bombe! Je te parle d'un temps où les burnes de 20 grammes bouffaient du macadam. Fallait affûter ton zig pour croquer avec les bigs. Fallait assurer grave et les avoir, ça comme, mon petit bonhomme. Boum! Boum! Oh. Allez, allez, allez. Boum. Merci à vous. Un petit don pour la chapelle est toujours le bienvenu. Pour l'instant, rien de plus à déclarer. Servez à boire, c'est la mienne.